Amis poissons, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier 2021. Nous allons voir tout de suite ce qui se passe pour vous de manière générale à travers cette guidance. Ce tirage va donc concerner le signe du poisson en signe solaire principal du zodiaque, ascendant et lunaire. Il se peut que quand bien même vous soyez de ce signe-là, vous ne soyez absolument pas réceptif ou réceptive à cette guidance, auquel cas vous n'avez aucun message à recevoir pour le moment. Celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti, Poisson, c'est pour vous, pour janvier 2021, du 15 au 31. Allez, c'est parti. Poisson en signe solaire, lunaire et ascendant poisson. Deuxième quinzaine de janvier 2021. Poisson du 15 au 31 janvier 2021. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va pour l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en énergie 1, on nous parle d'un comportement d'évitement et de fuite qui peut être le vôtre ou que vous subissez de la part de quelqu'un. C'est possible que ce tirage soit sentimental. Nous allons voir ce que ça dit. Beaucoup d'instabilité en soi, on ne sait pas trop ce qu'on veut, un coup oui, un coup non. On évite pour moi une situation. Ce qui rend notre quotidien morose, triste, fade. On ne sait pas ce qu'on veut par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, on a envie d'aller parler à une personne, d'aller communiquer à quelqu'un, mais on a peur. On a peur de ce qu'on pourrait trouver, de ce qui pourrait se passer, ou je sais pas. Mais vous voyez là, il y a un quotidien de vie qui est fade, qui est gris, qui est morose, qui ne vous convient pas et dont vous voulez sortir, duquel vous voulez sortir. Mais il y a une certaine appréhension à aller parler à quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas si c'est une bonne idée. Des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. On a quand même une envie de sortir, voilà, de cette tristesse intérieure d'âme. Parce que c'est une tristesse d'âme, hein, que je vois ici. On a envie de parler à quelqu'un pour avancer. Mais une certaine réticence. C'est comme si on savait qu'en allant parler à cette personne, pour moi c'est sentimental, hein, ça ne fait aucun doute, comme si on savait qu'en allant parler à cette personne, on pouvait aboutir sur quelque chose de neuf et on a peur de cette nouveauté. En fait, on est à la fois dans une énergie de recul, où on est maintenu à reculons dans cette grisaille, et dès qu'on veut avancer, hop, on a peur de ce qu'on pourrait trouver, donc on reste statique et du coup on se re-retrouve dans cette grisaille. On a envie d'aller parler à quelqu'un, chose qu'on a du mal à faire, on a beaucoup à exprimer à cette personne. On a envie ici d'évoluer. Ça concerne une évolution, d'accord? Des projets que l'on souhaite peut-être mettre en commun avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui vous retient dans l'état actuel de fadeur, de tristesse des choses. Je ne vais pas dire que vous vous complaisez dans cette tristesse, mais c'est un terrain connu. Or, pour s'orienter vers un terrain inconnu, c'est un petit peu plus complexe. Voilà ce que je pense. Voyons voir ce qu'on a en énergie 2. Alors, je rappelle bien évidemment que ce que je viens de dire, ça peut être votre comportement ou le comportement de quelqu'un par rapport à vous. C'est toujours interchangeable. On a des pro... Ah bah voilà. Et bah voilà, et bah voilà. On a des projets ici pour revenir voir quelqu'un. Pour revenir construire quelque chose avec quelqu'un. Mais on a peur.
On a peur, on nous dit que vous avez ce projet-là, vous le planifiez dans la tête, d'aller parler à quelqu'un au sujet d'une construction, de vouloir effectuer des modifications, des mouvements dans votre vie et de construire avec cette personne, sauf que vous avez du mal à vous lancer. D'accord? Pour le moment, on y pense, on réfléchit, d'accord? On nous dit qu'à partir d'un été, potentiellement, il va y avoir du mouvement par rapport à cette personne. On va bouger, on retourne parler à cette personne et on évolue. On a une évolution ici en dos de deck. Attendez, je recule un peu. D'accord? La chenille se transforme en papillon ici. On passe d'un statut A à un statut B. Il y a une modification, une évolution d'une situation par rapport à une personne et de votre vie à vous. Là, vous stagnez dans la grisaille, dans l'indécision, dans l'instabilité. Vous allez faire ce pas vers cette personne en vue de construire quelque chose. Vous voulez une véritable construction avec quelqu'un, mais pour le moment, vous redoutez d'y aller, vous appréhendez d'y aller. On voit que vous allez franchir le pas, vous allez sauter le pas. Le déplacement, le mouvement va être fait vers cette personne. Vous planifiez dans un premier temps. Et vous mettez en action ensuite. On nous parle de ça pour un été et on nous dit que cette construction avec cette personne est très riche et prometteuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Ouais, beaucoup d'instabilité, du mal à aller vers une personne parce qu'on est peut-être face à une personne qui nous fait ressentir des émotions très fortes. On est déstabilisé par cette personne. Voilà. En noyau central, j'ai la levée de toutes les émotions qui vous retenaient à terre dans cette grisaille. Tout ce qui était agressivité, culpabilité, méchanceté envers vous-même, là c'est plus envers vous-même ou envers l'amour, disparaît, s'envole et vous retrouvez l'envie d'aller évoluer avec quelqu'un. Là, dans un premier temps, il y a une certaine réticence, appréhension à aller parler à cette personne pour envisager ce changement. On y pense, mais on se maintient dans des énergies passées, tout en gardant cette personne en vue, tout en ne la lâchant pas du regard. Et là, on voit qu'à partir du printemps-été, ça évolue totalement. J'ai l'impression de présenter la météo, là, c'est marrant. Voilà, c'est tout. Amis poissons, si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie perso, n'hésitez surtout pas à m'écrire mon mail en dessous de la vidéo. Allez, bye bye.